Bonjour ou rebonjour. Nous allons maintenant passer à la troisième conférence de cette matinée avec Nicolas. Nicolas a découvert la programmation en 97 en mettant en ligne ses premiers sites internet sur Multimania et sites web. Cette passion ne l'a jamais quitté depuis. Curieusement, chaque projet sur lequel il a été impliqué concernait du code legacy important. Il y a pris goût et adore upgrader le code ainsi que les équipes de dev. Aujourd'hui, il va nous parler de clean architecture et ses intérêts de l'appliquer dans tous nos projets. Mesdames et messieurs, Nicolas Debose. Hello. Je te laisse la parole et la place. Super, merci beaucoup. Tout le monde m'entend là. Alors, oui, bonjour tout le monde. Me revoilà pour vous reparler de la clean architecture avec une présentation légèrement remaniée par rapport à celle de Paris, grâce à vos feedbacks. Donc, pour tous ceux qui l'ont déjà vu, il y aura quand même du neuf, ne vous inquiétez pas. Par contre, je suis quand même toujours obligé de rappeler un peu le contexte. En fait, la clean architecture vient de Robert Martin, donc Uncle Bob. Il a fait Solid pour les principes de base pour la programmation orientée objet, pardon. Et il s'est dit qu'il allait faire pareil pour l'architecture. Donc, en 2012, il a écrit un article où il explique avec toutes ces architectures combinées que vous voyez là, on peut avoir un beau package. En soi, il n'y a rien de vraiment nouveau car certaines de ces archis existent depuis une trentaine d'années. Mais sa conclusion est que ces règles sont simples à suivre et que les bénéfices sont immédiats. Et parmi les bénéfices, il dit notamment que le système sera testable avec tous les avantages que ça apporte, comme par exemple un code bien plus clair, et que si un élément externe du système devient obsolète, comme la base de données par exemple ou le framework, il y aura moyen de le remplacer avec une charge de travail relativement limitée. Mais avant de parler de clean architecture, j'aime toujours parler du contexte et de parler de son opposé, c'est-à-dire le projet sans réelle architecture, soit faute de compétences ou simplement car les gens sont nés dans le guidon et n'ont malheureusement pas le temps de prendre un peu de recul, et ça arrive beaucoup aussi. Donc le projet que je vais vous présenter est une sorte de best-of de tout ce que j'ai pu vivre dans chacune de mes missions. Donc ne soyez pas choqués si je grossis un peu les traits ou que je caricature, tout ça c'est fait exprès. Même si c'est du vécu en fait. Donc si ça vous semble très ou trop familier, eh ben, sachez que vous n'êtes pas seul et restez pour la seconde partie. Donc comme tout bon projet qui se respecte, on part évidemment sur une architecture classique de type Web MVC. Je dis Web MVC parce qu'en fait, c'est pas du MVC, c'est pas le MVC classique qui a été écrit dans les bouquins. Donc, ce n'est pas le sujet ici, mais comme ça, vous savez qu'il y a quand même une légère différence. Et donc, comment on fait d'habitude? Ben voilà, le user appelle une page. Grâce au routage, il arrive dans le contrôleur. Celui-ci appelle la méthode, le modèle des méthodes dans le modèle pour récupérer des infos. En général, ce sont les entities. Et ensuite, le contrôleur renvoie tout ça à la vue. Et tout le monde est content, classique, facile. Et en plus, notre framework a fait tout le boulot, voire même à générer plein de fichiers pour nous. Donc, c'était relativement simple à développer. Bon. Et puis, le temps passe, et la vue commence, en fait, à influencer le modèle et pour y rajouter certaines méthodes. Par exemple, on va demander à l'entity user son âge, qui sera calculé en fonction de la date de naissance, bien sûr. Alors, en soi, ce n'est pas grave d'ajouter cette méthode, mais le problème, c'est que c'est la vue qui a choisi cette méthode et pas la logique business. Et donc, la vue commence aussi à utiliser des constantes, du genre quand je fais un get status sur une commande et que je la compare à une constante, ben, je dois savoir quel bouton afficher. Et puis, la partie sérialisation pour les call API, la sérialisation, enfin, le JSON, c'est aussi une vue en soi. Elle est ancrée dans les entités via toutes les annotations et on ajoute même un peu de logique custom dans les entités de nouveau. Puis, le contrôleur commence à prendre aussi un peu de logique pour lui. Vous savez, on rajoute cette couche parfois en catchant des exceptions qui viennent de l'ORM pour afficher une 404, par exemple. Entity not found, on va le catcher là, et puis ce sera simple, on va afficher une 404. Et puis, la vue commence à avoir besoin d'éléments externes parce que le contrôleur ne lui donne pas assez d'informations pour afficher tout. Et elle a besoin, par exemple, des traductions qui se trouvent dans l'ADB. Évidemment, on n'est pas fou.
on va pas faire des calls directement dans l'ADB parce qu'on est soucieux des bonnes pratiques, bien sûr. Et donc, on va faire un petit plugin qui va interpréter que quand on écrit un pipe translate, ça va chercher la traduction dans l'ADB en fonction de la langue de l'utilisateur. Et on planque un peu le truc sous le tapis, mais ça fonctionne et au final, ça a l'air propre. Et donc, le projet continue. Et bien sûr, on nous demande de rajouter des features. Et puis, vous vous demandez, tiens, est-ce que ça va aller là? Est-ce que ça va aller là? Ça va aller là? Est-ce que je fais un plugin? Est-ce que je fais une store procedure carrément? En fait, le problème, c'est que on n'a plus de frontières dans le code. Tout le monde connaît un peu tout le monde. Tout le monde a une partie de la logique. On n'a plus de discipline. Or, le métier de dev nécessite beaucoup, beaucoup de rigueur. Et généralement, on choisit l'endroit en fait, qui fait le moins mal à développer et le moins mal à tester. Et ce n'est pas forcément là où ça devrait être. Donc, du coup, dans les reviews, on voit souvent « Oui, oui, je sais que ce n'est pas terrible, terrible, mais ça fonctionne et on n'a pas le temps, on est en plein rush. Est-ce que tu peux quand même accepter? On verra ça plus tard. Et puis, encore une autre chose, c'est que le contrôleur devient un endroit facile pour mettre des quick fix. Ça, ce n'est pas dingue. Et enfin, cerise sur le gâteau, vu que tout est mélangé, pour tester, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va faire des tests end-to-end qui sont super lents. Et donc, le feedback sera lent. Et donc, et les tests end-to-end sont quand même un peu moins précis. Donc, ça devient compliqué. Après un an de dev, le projet est officiellement catégorisé comme étant legacy. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer tout from scratch. Donc, la logique est partout, on avance moins vite, les devs sont démotivés, les managers ne comprennent pas ou sont moins contents. On commence même à avoir l'impression de devoir rusher en permanence parce que tout est compliqué. Les bugs poussent comme des champignons, n'osent plus toucher à certaines parties du code. Et puis, il y en a qui veulent refac, mais leur conscience leur dit de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une tradition comme ça chez les devs qui dit « si tu touches et que ça casse, ça devient ton code et tu deviens le spécialiste du code ». Et puis les dépendances, les fameuses librairies, les frameworks n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Le code métier est complètement plugué aux frameworks et aux librairies. On ne fait plus qu'un avec eux. On s'est vraiment marié aux frameworks et c'est même pire que ça parce qu'on s'est marié avec une version spécifique du framework et on prie pour qu'il n'y ait pas de BC break possible à la prochaine majeure. On appréhende même les mineurs, c'est vous dire. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'on entend « oui, on a la version 3.2, on aimerait bien passer à la 3.4, mais ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'on est en plein rush. Puis, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Même si c'est une mineure, on a un peu peur. Puis, on aimerait passer à la version 4, mais c'est un gros chantier, ça prendra du temps. Donc, maintenant, donc pas maintenant. Et puis, de toute façon, la version 5 va arriver, alors autant attendre et faire tout en une fois. Et d'ailleurs, certains plugins ne sont même pas encore compatibles, voire n'existent plus. Donc, on mettra ça à plus tard. Et au final, on ne sait plus qui contrôle qui. Est-ce que c'est le framework qui dicte ses lois en allant parfois même jusqu'à dire comment organiser vos fichiers? Ou de l'autre côté, vous avez aussi votre logique business pure qui est éparpillée un peu partout. Bref, ça commence à devenir le boxon. Et elle est tellement éparpillée en fait, qu'on commence à se poser ce genre de questions. Comment appeler un contrôleur depuis une commande? Et on sait que quand on se pose ce genre de questions, c'est qu'il y a un truc qui cloche quand même. Parce que créer une session et un dollar post à partir d'une commande, disons que ce n'est pas le truc qu'on ferait à la base si on avait le choix. Sur Stack Overflow, d'ailleurs, il y a toujours au moins un type qui vient de faire la morale et qui vient dire bah, « pourquoi tu veux faire ça ?» Toi, tu as juste envie de lui dire « réponds juste à la question, s'il te plaît ». Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de faire ça. Les frameworks le permettent. Car s'il y a tellement de demandes, en fait, autant rendre les devs heureux et les pousser à continuer encore un peu le framework et donc rendre ça possible. Bon, et je dois faire quand même une confession ici, c'est que je fais sans doute partie des 44 000 viewers de la première question, mais bon. C'est comme ça qu'on apprend. Et il ne faut pas perdre de vue que le contrôleur et la ligne de commande sont juste un moyen de transporter les données de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. S'ils sont devenus les seuls points d'entrée pour accéder à toute la logique parce qu'on a aussi mis des trucs dans le contrôleur, ah ben on a un problème. Et le framework est souvent une partie de la solution, mais également une partie de problème. Et c'est d'ailleurs pareil pour les librairies. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces dépendances sans en être dépendant. Donc, les utiliser sans en être dépendant. Ça va nous permettre de garder un peu le contrôle sur notre code. Et en fait, si on schématise un petit peu, voilà une app classique.
Au milieu, le rond vert, ça symbolise votre code métier. Dans l'idéal, tout ce qui nous appartient et sur lequel on a le contrôle, ce pourquoi l'application existe. En orange, à gauche, vous avez la manière d'attaquer votre app via une API, une ligne de commande, une queue, n'importe. Et en bleu, les dépendances externes, la base de données, les API, l'envoi de mail, de nouveau les queues, etc., etc. Si on commence par la partie de droite, donc, voici ce qui se passe quand un service veut envoyer un email. On va bien sûr utiliser une librairie, comme par exemple SwiftMailer, même si c'est moins d'actualité maintenant. Et si on lit la doc, on voit qu'il suffit d'instancier un objet SwiftMessage et d'appeler une méthode sendSwiftEmail, et voilà, ça marche. Donc le service va commencer à instancier des SwiftMessages et appeler directement SwiftMailer. Il y a deux problèmes à ça. Le problème numéro un, c'est qu'à ce stade, on voit que notre application se plug de nouveau et devient dépendante de la librairie. Donc, si elle change, notre application devra changer. Deuxième problème, qui est d'ailleurs un peu lié au premier, en soi, il y a un adage qui dit « Don't mock what you don't own ». Et alors ici, pour tester notre service, il va bien falloir moquer SwiftMailer. Et donc, on va devoir outrepasser cette règle. Mais en soi, ça fonctionne. Et bien sûr, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Jusqu'au jour où le temps passe, et évidemment, d'autres services commencent à envoyer des emails et ils instancient tous un SwiftMessage, ils appellent tous le sendSwiftEmail. Tous ces services devront être modifiés lorsque la librairie aura des BC breaks. C'est embêtant pour plusieurs raisons. D'abord, une mise à jour de lib entraîne une mise à jour du code métier, du coup, et des tests, alors qu'au final, rien n'a changé d'un point de vue business. Et qui dit modif du code aussi, dit potentiel bug. Vous savez, le fameux « Ah, ça trop aussi cette nouvelle exception maintenant. » Bon, je n'avais pas anticipé ça, je vais devoir mettre un try-catch autour de tous les appels dans tous les services. Et vu que ça ne rapporte rien au business et que ce n'est pas simple à faire, on ne le fera jamais ou vraiment quand on aura 3 versions de retard et on l'upgrade la librairie, ce sera peut-être encore même plus compliqué, mais on le fera donc du coup dans la douleur. Bien sûr, ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est un peu comme le hardware. On n'aime pas trop avoir des ports propriétaires. Du coup, on va repartir sur de bonnes bases. Et pour anticiper ce genre de problème, on va donc faire appel à une classe, disons intermédiaire, qui va envoyer les emails. Donc, cette classe aura les méthodes qu'on aura nommées à notre meilleure convenance. Donc, pareil pour les arguments. Et on va essayer de ne pas être influencé par la librairie, parce que c'est très facile d'être influencé par la librairie qu'on utilise, mais plutôt par la logique métier. Donc, par exemple, si tous vos emails utilisent juste un titre, un body sous forme de texte et un destinataire, rien ne vous empêche de juste créer une méthode qui s'appelle sendBasic avec ces 3 paramètres-là. Si beaucoup de vos emails sont envoyés aux admins, vous pouvez aussi faire une méthode sendToAdmin, comme ça vous n'avez pas à préciser le destinataire à chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'être compatible PSR 7, 18 ou autre. Vous pouvez, mais vous ne devez pas. C'est vous le propriétaire du code et donc c'est vous qui choisissez la couleur des murs, si je puis dire. Alors, bien sûr, tous ceux qui vont devoir envoyer un mail passeront par cette classe custom. À partir de là, l'envoi d'email est centralisé déjà dans une classe, ça c'est pas mal. Et donc, si SwiftMailer évolue, toute cette classe, il y a seulement cette classe qui devra être mise à jour et ça c'est plutôt cool. Votre code métier ne devra plus changer. Par contre, comme vous pouvez le voir, notre classe, elle bave un peu vers l'extérieur comme ça et notre cercle représentant notre code n'est pas parfait. Et comme, car on est toujours dépendant de cette librairie, ça, c'est pas dingue. Donc, il existe un dernier upgrade de code pour faire en sorte que notre frontière soit complètement lisse. Et pour faire ça, en fait, c'est tout simple. Vous faites une interface et une interface qui sera à vous. Et en fait, l'astuce, c'est que l'interface sera implémentée par une classe extérieure et elle va s'arranger pour transformer vos arguments, votre send to admin et tout ça en SwiftMessage pour ensuite l'envoyer à SwiftMailer et catcher les erreurs quand il y en a, etc. Le gros plus, c'est que comme vous pouvez le voir, ce n'est plus vous qui vous pluguez à une librairie, mais c'est elle qui se plug à vous via un adapteur. Et à ce stade, votre code métier est devenu indépendant de la librairie utilisée. Travailler de la sorte, ça amène plein d'avantages. D'abord, changer une librairie, c'est super simple et ça demande 0 update du code interne. Il suffit juste d'écrire un autre adapteur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comparer 2 adapteurs. Ça, c'est super simple. Vu qu'ils font la même chose, on peut lancer des tests fonctionnels sur les 2 adapteurs avec des vrais emails qui sont
les mêmes conseillers, bah, c'est qu'ils sont entièrement compatibles. Faire un upgrade, simple. On peut même commencer à s'amuser à comparer les perfs au final. Et puis pour les tests unitaires, vous pouvez faire pour vos tests un fake mail sender, disons, qui implémente l'interface et en fait qui enregistre tout ce que vous envoyez dans une variable publique. Et ce qui fait que vous avez une sorte de mock réutilisable propre et cerise sur le gâteau, vous êtes même indépendant de votre librairie de test. Donc vous avez un mock que vous allez pouvoir utiliser avec Atom ou avec PHP Unit, ce sera exactement pareil. Donc vous commencez même à être indépendant de la librairie de test, donc c'est vraiment que du bonheur. Si maintenant on parle de la partie de gauche, la partie qui appelle notre application, on part du même principe, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de notre rond est à nous. L'idéal est que l'extérieur, donc par exemple le contrôleur, ne connaisse que l'interface de nos points d'entrée, comme ça on peut facilement à l'intérieur switcher l'implémentation si nécessaire. Et donc si on récapitule, la différence entre la partie de gauche et la partie de droite, à gauche, on expose une interface qu'on utilise à l'extérieur, pardon, mais qu'on implémente à l'intérieur. Par contre, à droite, on expose toujours une interface, mais on l'utilise à l'intérieur, mais on l'implémente à l'extérieur. Ça, c'est la grosse subtilité. Et le plus important que l'on voit dans le schéma final, c'est que votre application elle-même n'est dépendante de personne. On est passé de stade de plugin à plugger. Et cette notion, en fait, est hyper importante, car quand on parle de plugin, il y a toujours un gagnant et un perdant. L'un va devoir s'adapter à l'autre et donc être modifié à chaque évolution. Vous voyez les plugins de votre browser, par exemple, c'est Chrome, Firefox qui choisit comment est-ce qu'on se plug à eux et ce n'est pas les centaines de milliers de plugins qui existent, sinon ce serait vraiment ingérable pour les devs. Évidemment, c'est bien sûr la même chose pour les librairies, pour le framework, ils ont envie qu'on se plug à eux. Bah, ça devrait être pareil pour vous. C'est votre propriété. Et vous voulez qu'on se plug à vous plutôt que d'être plugué chez les autres. Dans un monde où tout bouge très très vite, vous voulez être bien sûr celui auquel on se plug et pas celui qui se plug aux autres. Et en fait, là, je vous ai vendu juste rien de plus que l'hexagonal architecture. Donc la partie de gauche, ceux qui appellent votre application à gauche, ce sont les acteurs primaires. Ceux de droite, ce sont les acteurs secondaires. Les interfaces, pour être précis, on les appelle des ports. Les adapteurs, on les appelle toujours des adapteurs. Et puis, théoriquement, avec ça, on ne se posera plus la question de, tiens, comment appeler une commande via un contrôleur ? Les deux appelleront le même point d'entrée. Mais évidemment, encore faut-il que le contrôleur n'ait aucune logique en plus, comme par exemple, au hasard, la validation. Et pour ça, ça nous amène à poser la question de l'emplacement du code. Et se poser la question de l'emplacement du code, c'est aussi se demander, mais qu'est-ce qui est au centre de notre application au final ? Et pour ça, il y a toujours deux grands topics, le framework et la base de données. Ça, c'est le centre du monde. Le framework, car on a vu qu'il pouvait carrément imposer ses choix jusqu'à la structure de votre dossier. Et on peut dire que la documentation ne pousse pas vraiment les devs à limiter les dépendances, et bien au contraire. Et la base de données, alors on a le schéma SQL, vous savez, les tables, les champs, les jointures, et on commence par créer toujours les tables avant même d'avoir écrit une seule ligne de code, ce qui veut dire que c'est le schéma DB qui influence et qui parfois bride le code. Et si chaque changement de schéma impose des modifications de code, ça signifie qu'on va avoir peur d'en faire trop souvent, que ce soit par exemple pour des problèmes de performance, ça va être plus difficile de le faire parce que le code reflète exactement la DB. L'idéal est donc d'avoir un schéma DB parfait dès le début. Alors, et ça, je ne sais pas vous, mais je crois que c'est impossible. Et on se retrouve donc souvent à tordre le code afin qu'il corresponde au schéma et ça doit rentrer. Mais il faut se dire une chose, la manière dont on stocke nos données ne devrait être qu'un détail d'implémentation et pas le centre du monde. Le centre du monde en clean architecture, c'est votre business. Et votre business, c'est quoi ? C'est toutes les actions que vous pouvez exécuter dans votre application. Pour ceux qui font de l'UML, on parlera de ce bon vieux diagramme de use case. Pour ceux qui font des user story mapping, ce sont vos features. Pour ceux qui font du Scrum, c'est une epic ou c'est une user story. Pour ceux qui font du DDD, c'est sans doute les application services. Et en fait, le but est d'avoir ce qu'on appelle une use case driven approach. Et donc, techniquement, une action est égale à une classe.
Ces classes, on les appelle use case. Anciennement, on les appelait aussi interactors, mais le nom a un peu changé parce que use case, c'est plus classe. Donc, on a une classe login, une classe register, une classe addToBasket. Au début, ça peut surprendre d'avoir un verbe, dans le nom de la classe, mais au final, on s'y fait. Et vu que le nom de l'action est déjà dans le nom de la classe, chacune d'entre elles n'aura qu'une. Ou bien vous pouvez utiliser __invoke si vous êtes vraiment cool. Et donc, comment ça se passe concrètement? Notre classe, bien sûr, notre use case se trouve dans l'hexagone, à l'entrée. Et une fois appelée, elle va gérer tout le flow nécessaire, c'est-à-dire créer des entités, appeler d'autres services, des validateurs, des repositories, éventuellement faire des événements et tout ça. Bref, c'est par lui que tout passe. Toute la logique pour une action se retrouve là-dedans. Bien sûr, on peut un peu déléguer au service. On peut un peu le voir comme un gros hub qui gère le flux de l'action. Et comme on a vu précédemment, pour que notre use case register soit appelable de l'extérieur, il lui faut un port, donc une interface. En clean architecture, on appelle ça juste l'input boundary. Donc, c'est exactement la même chose. Et ici, il y aura quand même une grosse subtilité. On va en reparler un peu plus tard aussi. C'est que quand le use case a fini son process, plutôt que de faire un return de la réponse, il va donner sa réponse à ce qu'on appelle l'output boundary, qui est soit dit en passant exactement la même chose que les ports secondaires, donc la partie de droite de l'hexagonal architecture. Et donc, c'est un peu comme si register, on lui demandait d'envoyer la réponse dans une queue, par exemple. Sauf que pour lui, c'est une interface, donc il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière. Ça, ce sera plus un détail d'implémentation pour plus tard. Mais donc, pas de return, mais juste passer la réponse à quelqu'un d'autre. Et concrètement, donc on va un peu parler plus de code maintenant, l'input du register, donc ce qu'on va passer à execute, c'est vraiment un objet très très simple. Ce n'est pas une requête HTTP, ça n'a aucun lien avec HTTP web, ça n'extend aucune classe HTTP. C'est un objet qui est juste là pour transférer des données d'un système à un autre. On appelle ça un DTO, pour Data Transfer Object, on peut pas faire plus explicite. Donc c'est un plain all object, c'est vraiment un objet pur. C'est utilisé à chaque fois qu'on traverse des frontières, donc des boundaries en anglais. Et cet objet n'a pas forcément besoin de setter ou de getter, car les attributs sont publics. Si vous voulez, vous pouvez mettre un constructeur, vous pouvez mettre un constructeur nommé, vous pouvez mettre des setters et des getters, mais ce n'est pas une obligation. Vous n'avez là-dedans que des données super basiques, c'est-à-dire des strings, des numbers, des arrays, mais pas de value object, vous savez, des currency ou quelque chose comme ça. Tout est scalaire. Et vu que la réponse doit aussi repasser par cette frontière, on utilisera aussi un DTO. Dans notre cas, par exemple, ici, le user qui a été enregistré, ce ne sera pas directement l'entity qui vient de la DB. Ce sera un objet qui ressemblera de loin à une entité, ou de près ou de loin, mais ce ne sera pas l'entité de la DB de votre ORM ou n'importe. Et la variable error, par exemple, elle contiendra un tableau de string, par exemple, ou ce que vous voulez. Alors, pour donner la possibilité à la classe register de donner cette réponse à quelqu'un, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire, quand tu as fini avec cette requête, merci de donner la réponse à l'output que je te donne. Donc en fait, on va lui donner deux paramètres. Request, c'est la requête, et l'output, c'est à qui est-ce que tu vas devoir passer cette réponse. Et après, nous, en fait, on lui dit, fais ça, moi après je me charge du reste. Donc ça ressemble un peu à la fonction pregmatch, sauf que plutôt que donner une référence vers un array, vous donnez juste un objet avec une interface particulière. Et cette interface, pour le back-end en tout cas, parce que le front c'est un peu différent, c'est un peu plus complexe, elle ressemble souvent à ceci. C'est juste un present, on va présenter la réponse à quelqu'un, et puis après le use case il a fini. Et là on va arriver à la vue. Et on va arriver à notre dernier chapitre. Mais avant d'aller plus loin, je récapitule quand même un tout petit peu cette partie-ci. Donc, dès que vous créez un use case, vous aurez toujours 5 fichiers minimum. Vous aurez l'interface du use case, donc le register interface, si vous voulez, le register, donc l'implémentation en tant que telle, son DTO
pour l'entrée, la request, son DTO pour la réponse et l'interface de sortie qui sera différente pour chaque use case puisque la réponse est différente à chaque fois. Donc, petite précision tout de même, il existe des gens qui n'utilisent pas d'objet request pour des cas très simples, comme par exemple le login ici. Il y a des gens qui, plutôt que passer dans execute, passer une requête, ils vont juste passer email, password et puis l'output. Perso, moi, je donne toujours une requête, même quand c'est simple, mais ça donne, parce que ça donne un peu plus de flexibilité. Mais je peux comprendre les gens qui se disent on va essayer d'être pragmatique et juste balancer deux attributs qui seront toujours les mêmes, deux arguments. Et pour le plaisir des yeux, et parce qu'on est quand même décodeur, voici à quoi ressemble un use case très, très, très simplifié. Donc, on reçoit la requête et on reçoit l'output à qui on va devoir communiquer. C'est toujours une interface, même si ici, il n'y a pas de suffixe interface. Et donc, on va commencer par instancier une potentielle réponse qui va être remplie plus tard. Ensuite, on fait notre petite logique qui est notre vérification. On remplit notre réponse petit à petit en faisant gaffe à ne pas donner les entités pures. Et à la fin, juste, plutôt que de faire un return, on présente la réponse à l'output. Donc, vous pouvez voir qu'ici, l'output peut être n'importe quoi, une queue, un moteur de template. Le use case n'en a aucune idée et c'est évidemment pas son job de savoir. Et ce qui nous mène au dernier point de la clean architecture, c'est comment ça se passe au niveau de la vue et comment on peut simplifier simplifier au maximum. Alors, je dis simplifier parce qu'en fait, en général, la vue reçoit des entités provenant des services ou des repositories et c'est presque comme si on lui disait, tiens, moi j'ai fait ma part du boulot, débrouille-toi avec mes entités. Or, l'entité n'est pas du tout adaptée pour une vue, c'est un objet adapté pour votre logique métier. Elle n'est pas destinée à aller dans votre moteur de template. Du coup, quand on voit la vue, elle pourrit petit à petit, car elle doit bien faire avec et elle commence à avoir des conditions qui se rapprochent un peu plus des conditions business, du genre si l'user est bloqué, tu grises le bouton, si le produit n'a plus de stock et que la date de sortie est dans le futur, n'affiche pas le bouton acheter, mais affiche un texte spécifique, etc., etc. Et donc, on va aussi tordre un peu les entités pour qu'elles fonctionnent absolument dans la vue en rajoutant un peu des méthodes custom. Ça, c'est pas foufou. Et donc, on se dit, si les entités ne sont pas faites pour les vues, qu'est-ce qu'on doit utiliser ? Pour répondre à cette question, on peut peut-être d'abord regarder à quoi ressemblerait l'objet idéal qu'on voudrait passer à la vue. Et ça, imaginez un peu si la vue recevait un objet comme ça, uniquement le nécessaire et où tout est pré-mâché. On a le code HTTP qu'elle a, on a le titre de la page, on a la liste des produits à afficher avec des flags qui dit si le produit est dispo ou pas. Ce flag derrière, si ça se trouve, il y a une logique super complexe, mais ce n'est pas le boulot de la vue de connaître tout ça. Et enfin, on a aussi un label pour un bouton. Le label, il est là. Éventuellement, un statut. Par exemple, ici, je veux empêcher quelqu'un de trop cliquer sur search, sur search. Et donc, une manière de faire, ce serait de rendre le bouton disabled. Je mets à la place de l'intégrateur qui reçoit ça. Et pour lui, ça, c'est du pain béni. Il n'y aura plus besoin d'écrire de la logique métier. On n'aura pas besoin d'utiliser des constantes ou pire, d'aller voir dans la DB, de prendre des infos supplémentaires, etc. Tout sera là. Et le gros avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a ça, en fait, le moteur de template derrière, que vous utilisez Blade ou Twig ou autre, c'est juste un détail, en fait. Ce moteur de template devient de nouveau un plugin qui vient prendre les données. Et ce n'est pas vous qui devez absolument travailler dans ce plugin. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir upgrader de version aussi de ce moteur de template beaucoup plus facilement. Et voire, vous pouvez même switcher d'un moteur de template à un autre. En effet, vous pourrez vivre avec deux moteurs de template en parallèle, le temps que le deuxième remplace le premier. Et le tout sans toucher à rien, vu qu'il n'y a aucune logique métier dans les vues, ce sera super simple. Et donc, si notre output, souvenez-vous, on a notre use case qui renvoie quelque chose à l'output boundary. Et ce qu'on sait habituellement, donc avant, c'est de dire, je donne la réponse, mes entities, ou dans ce cas-ci, ma response DTO, je la donne dans la vue. Le problème, évidemment, c'est que si on fait ça directement,
on va avoir les mêmes problèmes parce qu'on va donner quelque chose à la vue et c'est pas la vue est pas et devra commencer à refaire de la logique. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est avoir ce fameux objet pré-mâché pour la vue. Et pour ça, on va utiliser un pattern qui vient du monde des interfaces graphiques, qui est le MVP, donc pour modèle vue presenter. Et donc, si on reprend notre use case, qui va donner sa réponse via une interface à quelqu'un, eh ben ce quelqu'un, c'est maintenant ce presenter. Donc, on va appeler ça un presenter plutôt qu'un output. Et ce presenter, il n'aura qu'un seul but dans sa vie. C'est créer un objet sur mesure pour la vue à partir de la réponse du use case. C'est tout ce qu'il fait. Et cet objet, on l'appelle le view model, donc VM ici en orange. Et le view model est donc le fameux objet idéal qu'on a vu précédemment. Et si votre vue est de l'HTML, bah, ces attributs contiendront tout ce qu'il faut pour être copié-collé, si je puis dire, dans votre moteur de template. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un bouton, le nom du bouton est là. Si le bouton est grisé, vous avez un flag, un booléen qui dit qu'il est grisé. Les dates que vous affichez sont sous forme de string, déjà formatées. Vous ne passez pas un date time, c'est la string est déjà là. Les value objects comme les currency sont également déjà transformés en string. Donc, en fait, c'est un DTO, de nouveau, qui passe du presenter à votre moteur de template. Bref, chaque chose que vous allez afficher sur votre page se retrouve sous la forme la plus pure dans ce view model. Et pour la plupart des projets PHP, je dirais, voilà comment on pourrait composer le truc. Si vous avez de l'HTML et que vous utilisez Twig, vous aurez un presenter HTML qui va récupérer donc l'info du use case et qui va générer un view model HTML et qui va être utilisé par Twig. Si maintenant vous changez vers Blend, vous allez bien sûr réutiliser ce presenter HTML et ce view model, mais vous allez utiliser Blend comme moteur de template, comme vue. Si maintenant la manière de présenter vos données, c'est via une API, par exemple, avec du JSON, vous aurez un presenter JSON qui sera évidemment pas le même que le présenteur HTML, puisque dans le JSON, on n'a pas tout ce qui est bouton, disable et tout ça. Et vous aurez un view model de type JSON. Si maintenant, pareil, pour vous avez une ligne de commande, de la même manière, vous aurez un présenteur spécifique ainsi que son view model. Après que vous utilisez le composant Symfony ou le PHP CLI, c'est une autre techno, mais en fait, vous réutilisez le présenteur et le view model. Et c'est important de voir que le présenteur et le view model sont spécifiques au type de réponse et pas une librairie. En effet, on affiche la même chose sur une page HTML que soit Blade ou Twig, mais on n'affiche pas la même chose sur une page HTML et sur une interface en ligne de commande. D'un côté, l'HTML, on parlera de boutons et tout ça, alors qu'en interface de ligne de commande, on va plutôt dire « affiche cette ligne en rouge car il n'y a presque plus de stock ». Et d'ailleurs, quand on regarde les vues modèles, ils sont tellement spécifiques au type de l'output que rien qu'en les lisant, en fait, on peut savoir si c'est pour une page HTML ou un JSON ou une ligne de commande. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, la vue est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire afficher correctement l'info qu'on lui donne. Et au final, est-ce que ce n'est pas ça qu'on demande vraiment à la vue et pas faire plus? Et donc, si on reprend le flow entier, dans la clean architecture, il y a trois layers, mais il pourrait en avoir plus, mais à la base, il y en a trois. Et voilà comment ça se passe. On arrive dans le contrôleur, on va créer une requête pour notre use case. On passera via une interface. Ce use case va appeler des entities, des modèles, des services, etc. etc. Et aussi, il va peut-être appeler des repositories, mais comme on est en hexagonal architecture, c'est une interface. Et derrière, il y a l'implémentation du repository, magnifique. Et on utilise MySQL, par exemple, derrière. Le use case, une fois qu'il a fini d'appeler tout ce monde, il va créer une réponse et cette réponse, il va la donner à son output, qui est donc le presenter. Il va dire, tiens, je te présente ma réponse. Derrière, en fait, il y a un presenter, que ce soit un HTML, JSON, etc., qui va choper cette réponse. Lui, il va créer un view model en fonction de l'output et ce view model sera juste passé à la vue. Et quand on regarde ce schéma final, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que toutes les flèches de dépendance vont vers votre application. Que ce soit le contrôleur, c'est un plugin. Le présenteur et donc la vue, c'est un plugin. La base de données, c'est un plugin. Et donc, qui dit plugin, bien sûr, dit interchangeable facilement. Bien sûr, vous n'allez pas changer de lib et de framework tous les mois. Non, ça, c'est sûr.
Par contre, les mettre à jour deviendra beaucoup moins dangereux, car ça n'impactera qu'une petite partie ciblée de votre application et pas l'ensemble de vos classes. Et puis, sur des projets à plus long terme qui durent 10 ans, j'en ai eu beaucoup, 10-15 ans, qui sait ce qui peut se passer? Pouvoir interchanger de librairie, c'est un luxe que peu peuvent se permettre et pourtant, ce n'est pas très cher à implémenter. Au final, c'est une interface avec un adaptateur. Et le plus important, là, c'est de voir que vous êtes libre et que vous utilisez le framework et des librairies, mais que vous n'y êtes pas couplé entièrement. Et encore une fois, ici, pour le plaisir des yeux, voilà à quoi ressemblerait le code d'un contrôleur très simplifié, dirons-nous. C'est simplifié, mais ça ressemblera quand même fort à ça. Donc, première chose, c'est que vous allez transformer votre $post, par exemple, en une requête pure qui sera donnée à votre use case. On va essayer de prendre le bon presenter en fonction de, par exemple, dans le header, on va avoir un JSON ou un HTML, ben, on va pouvoir avoir une logique ici. Normalement, d'habitude, le presenter se trouve dans la vue, donc on n'a pas besoin d'instancier deux choses, mais ici, je les ai séparées pour que vous voyez bien le flow. Ensuite, on instancie le use case, ou bien on le reçoit via le dependency injection container, en général, ce sera plutôt ça. Et puis, on appelle la méthode execute et on lui dit, tiens, voilà la requête que j'ai transformée depuis mon post et voilà le presenter, donc ce sera l'HTML peut-être. Mais ça, mettons derrière, il va appeler le presenter en disant, tiens, presenter, je te présente ma réponse. Et derrière, on va dire à la vue, tiens, génère la vue en fonction du vue modèle qui a été généré par le presenter. Et alors, vous pouvez vous demander, et ce serait tout à fait normal, de dire, mais pourquoi est-ce que register ne fait juste pas un return de la réponse, et puis la réponse, je le donnerai au presenter. Dites-vous que si ça n'est pas le rôle du contrôleur de faire quelque chose avec cette response, il n'a juste pas à connaître la response. Et au moins le contrôleur sait, au mieux il va se porter. Et puis, si on commence à voir la response, la tentation aussi de vouloir un peu modifier la response avant de lui donner, la réponse au présenteur sera quand même assez grande. Et on va repartir sur des petits tricks comme ça. Donc, c'est pour ces raisons. Et là, en fait, en faisant aucun return, les rôles sont bien délimités et la règle de separation of concern est respectée. Chacun fait ce qu'il doit faire et chacun connaît les données qu'il doit connaître et ça s'arrête là. Et donc, j'aimerais vous parler d'une dernière chose, ce sont les tests unitaires, car au début, je vous parlais des tests unitaires et que ça allait être super. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, en tout cas. Et si on parle d'abord du use case et qu'on se penche là-dessus, on voit que la requête est super simple à tester, parce que c'est, le use case pardon, est super simple à tester. La requête est facile à instancier, c'est juste un DTO. Le use case est facile à appeler, c'est parce qu'on lui donne ce DTO et on appelle execute. Et la réponse est super facile à tester, étant donné que c'est aussi un DTO et tout est public. On n'a pas besoin de booter un framework, on n'a pas besoin de librairie, on n'a pas besoin de base de données. Et les tests sont super simples à écrire et super rapides à exécuter. Un petit exemple rapide. Vous voyez que ma classe testCase implémente le presenter. Pourquoi? Parce que quand je vais appeler mon use case avec l'execute, que je vais lui donner ma requête avec user, email et mon password, je vais pouvoir donner 10. Comme ça, en fait, je me fais passer pour le presenter auprès du use case. Du coup, quand lui, il a fini, il va appeler la méthode present dans laquelle il y a la réponse. Et là, je peux choper la réponse, la mettre dans une variable privée et après faire mon insertion, du coup, en disant, tiens, est-ce que le client correspond bien, est-ce que le client dans ma réponse correspond bien à la bonne personne? Et c'est pareil pour le presenter, en fait. Et le presenter, il sera super important à tester parce qu'il faut s'assurer qu'il crée le bon modèle en fonction de la réponse du use case. Et de nouveau, la réponse, elle est super simple à instancier. Le presenter, il est super simple à appeler. C'est juste present avec son DTO. Et récupérer le view modèle, on fait un presenter get view modèle, on va dire, et on reçoit un DTO, et après, on n'a qu'à juste regarder ses attributs. Est-ce que le bouton est grisé? Est-ce que le produit est disponible? Est-ce que le code HTTP est bon? Est-ce qu'il y avait une redirection à faire? Est-ce que c'est au bon endroit? Bref, tout ce qu'on aurait fait peut-être si on avait eu des tests fonctionnels ou end-to-end, mais tout ça sans booter de framework et sans avoir besoin d'un moteur de template. Et ce sera facile et ce sera surtout rapide à exécuter aussi. Si on regarde un petit test unitaire, donc là, on va proposer
au visiteur de quand il veut se loguer, si l'email est déjà connu, on va afficher le bouton, on va afficher un bouton Create Your Account. Et donc là, c'est très simple, les étapes sont toujours les mêmes. Je prépare une réponse, je le passe au présenteur, et puis après, je récupère le view model et je teste les attributs. C'est tout. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui reste à la vue ? Pas grand-chose. La vue est devenue tellement simple que le ratio entre le temps passé à écrire les tests et le bénéfice apporté par ceci est complètement disproportionné. Donc, perso, si je veux tester mes vues, je fais plutôt des screenshots lors de mes scénarios de test end-to-end. Comme ça, je teste des éventuels oublis ou la régression visuelle en même temps. Maintenant, si vous voulez vraiment le faire, allez-y. Ce ne sera pas compliqué au final. Parce que votre moteur de template, c'est juste en fait des placeholders où les variables ont dû être mises au bon endroit. Arrivé à l'heure de la conclusion. Ah, j'entends quelqu'un. Oui, c'est moi, mais vas-y, conclue et après on passe aux questions. Parfait, désolé. Donc, comme vous pouvez le voir, ça demande plus de classes que d'habitude, mais vous avez aussi vu que les responsabilités sont désormais bien délimitées, contrairement aux entités des ORM qui servent à la fois la DB et la vue. Quand vous avez ce genre d'entité, ça veut aussi dire qu'un changement de la DB pourrait influencer la vue, et ça, c'est pas le genre de truc que les devs aiment, vous savez. La clean architecture donc, convient plutôt au projet à moyen long terme. Par contre, ce sera un peu overkill évidemment si vous avez des projets plus petits ou que ce sont juste du CRUD. Un petit mot sur les frameworks, ce sont des outils fabuleux, vraiment. Et les librairies aussi, cependant, lorsque vous lisez la doc, ne la lisez pas, la suivez pas aveuglément comme ça. La doc fait tout pour qu'en fait vous vous mariez avec le framework, mais le framework est au-delà de votre hexagone et ne devrait jamais rentrer dedans. Donc, et c'est bien sûr pareil pour les librairies. Un dernier conseil, soyez pragmatique. Ce sont des règles et pas des dogmes. Ça ne veut pas dire non plus faites n'importe quoi. Que ce soit du solide, hexagonal, MVP ou autre, c'est très important de connaître les règles pour savoir à quel moment vous êtes en train de les outrepasser et pourquoi vous êtes en train de le faire. Le tout, c'est d'être conscient du coût et du temps que ça va prendre pour faire éventuellement machine arrière. Voilà, ici il y a des liens. Premier lien, c'est l'article de Uncle Bob. Deux liens, exemple un peu vieillissant sur un projet en JS avec la clean architecture et du Vue et du React qui marchent en même temps sur les mêmes sur le même code, donc avec des présenteurs. La clean architecture, exemple, donc troisième lien, c'est du PHP aussi un peu vieillissant. Ensuite, mon blog tout aussi vieillissant d'ailleurs. Et puis, une petite pub pour le projet où je travaille. Voilà, merci, j'ai dépassé un tout petit peu voilà, si vous avez des questions, je pense qu'on a peut-être encore un peu de temps, et sinon n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et merci à la FUP d'avoir m'avoir refait confiance et pour l'organisation sans faille comme d'habitude. Merci à toi pour cette conférence. Bon, on va prendre, il y a 4 questions, je pense qu'on peut essayer de les faire rapidement. Ouais. Donc la première, c'est Quentin qui demande, est-ce que la partie traduction est faite dans les view models ? Ah, très très bonne question. c'est une excellente question et ça, elle revient super fréquemment, celle-là. Alors, idéalement, le view model contient les traductions, c'est-à-dire que c'est au présenteur à aller chercher les traductions en fonction des clés et tout ça. Maintenant, ça fait partie de la partie ma remarque pragmatique. En fait, il y en a encore beaucoup qui continuent à faire du pipe translate. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas l'idéal, mais ça marche bien. Moi, j'essaye de les mettre autant que possible dans le view model. Comme ça, c'est vraiment si je passe de tweak 1 à tweak 2 et que c'est différent, ben voilà, ça me prendra un peu moins de temps à faire. Et puis, je pourrais même éventuellement tester mes traductions dans mes tests unitaires. Donc voilà. Mais franchement, il y a débat. Donc voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ok, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Thomas qui demande comment gérer les redirections. Les redirections sont alors dans la partie vue que je vous ai présentée. En fait, la redirection peut être mise à l'endroit, donc dans le view model, on va dire, et tu rediriges vers ça, dans la vue. En fait, la vue, ce n'est pas tout de suite forcément votre moteur de template. Ça pourrait très bien faire deux, trois logiques avant qui diraient, ben, si dans mon view model que je reçois, j'ai l'attribut redirect to qui est mis,
Ah ben en fait, je renvoie, si vous faites du Symfony, plutôt que faire un return response JSON, vous faites un return response redirect, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, ça, vous allez passer au contrôleur. Donc en fait, la vue, elle gère le twig et elle sait aussi que c'est du Symfony response qu'il faut donner à l'extérieur. Et donc plutôt, évidemment, là, j'ai fait un écho très simple dans l'exemple. Mais ça va sans doute renvoyer une response de type Symfony. Et donc, c'est à ce moment-là que la vue, en fait, ne va pas forcément donner du bête texte. Elle va donner, dans ce cas-ci, une response Symfony. Et c'est évidemment là que se fera la redirection. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Hop. Ensuite, donc, on a Mathieu qui demandait des références supplémentaires. Alors, je sais que bon, après cette question, il y a eu la slide où tu as rajouté des liens. S'il y a des choses à rajouter par rapport à ça, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Après, tu peux y réfléchir, à te reposer, puis peut-être le rajouter sur Twitter ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais, voilà. Bah, check déjà les deux liens GitHub. Et je réponds aux questions aussi sur GitHub. Donc, quand il y a parfois des gens qui me posent des questions sur le repo, comme je disais, il est un peu vieillissant, donc tout n'est pas parfait. J'ai encore appris depuis. Mais l'essentiel est là. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez aller voir le code et poser des questions très spécifiques. J'ai pas de super référence, j'ai pas de livre. Le livre Clean Architecture d'Uncle Bob est bien, mais n'apporte pas énormément comme explication. C'est vraiment creuser et aller sur Google et poser des questions super spécifiques du style pourquoi le présenteur fait ceci, est-ce que le présenteur devrait faire ça. Et tu as plein de gens qui en parlent. Évidemment, on a plein d'avis différents. C'est pour ça que je voulais ici faire un best-of de ce que j'avais appris parce qu'il y a du pour, il y a du vrai et du pas vrai. Mais donc voilà. Ok, bah, il ne te reste plus qu'à écrire un livre alors. Ouais. Ensuite, Pablo demande, est-ce que tu peux répéter les 5 classes à créer pour chaque use case? Oui, alors je les ai là. C'est ça, alors il y en a une qui manque. Donc il y a le fameux, là il y a le premier, c'est le use case. Alors idéalement, il faudrait aussi une interface pour ce use case avec la méthode execute. Il y aura aussi l'interface pour le présenteur. Donc, à qui est-ce qu'on va donner la réponse? Et bien sûr, le login request et le login response. Donc, ce sont ces 5 classes-là. Évidemment, tu as l'implémentation du présenteur que je ne compte pas dans le truc parce que ça, c'est, disons, un autre dossier ailleurs. Ça se trouve plus ça ne se trouve pas dans la logique métier pure. Donc, il manque ces 4-là plus l'interface du login et mea culpa, je ne mets pas forcément moi d'interface tout de suite puisque je nomme pas mes interfaces interface. Donc, en fait, login demain pourrait être une interface et derrière, changer l'implémentation. Donc, je suis plutôt Java style, on va dire, pour ça. Donc, merci. C'est les 4-là plus l'interface du login. Ça marche. Alors, est-ce que les diapos seront disponibles? Ça, je vais laisser la FUP. Je vais les mettre sur Twitter d'ici peu, cet après-midi. Et puis, je vous l'enverrai. Enfin, après, je ne sais pas quel est le protocole. Je ne sais pas non plus, donc je vais laisser ma collègue répondre. Et la dernière, avant de nous quitter, très vite fait. Oui. Oui. Du coup, c'est le présentateur qui transforme des exceptions en réponse du style 400-404. Mais ça couple au protocole de sortie, comment éviter ça? Le presenter ne catche pas les exceptions, tout simplement parce qu'en fait, le use case ne renvoie pas d'exception. Quand il y a des erreurs, le use case va faire en sorte que dans la réponse, il va rajouter des erreurs et tout ça. Si ce sont des exceptions du style « il n'y a plus de base de données », alors c'est une vraie exception. Et là, ça peut partir en exception. Mais si, par exemple, le user n'a pas été trouvé, en fait, il y aura un petit flag dans la réponse qui dira « j'ai trouvé personne » ou alors « votre user sera nul ». Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Et donc, il ne va pas recevoir d'exception, il va recevoir la réponse parce qu'on ne fait pas de try-catch autour du use case. Et puis après, effectivement, c'est un presenter qui, comme lui est lié à une vue
par exemple HTML. On sait que l'HTML, c'est un peu plus que ça. Il y aura sans doute, ça ne me dérange pas que dans ce présenteur HTML, on a quelle redirection il faut faire, quel est le type de code HTTP à renvoyer, éventuellement des headers, ça peut se faire aussi parce que les headers sont spécifiques à des pages HTML, aussi à des présenteurs, à du présenteur JSON, je dirais, mais le présenteur CLI n'a pas besoin de connaître évidemment les headers qu'on va renvoyer. Évidemment, si vous avez deux logiques identiques, par exemple, vous avez deux présenteurs, l'HTML et le JSON, qui ont des logiques identiques, rien ne vous empêche de faire une petite classe qui va être utilisée par les deux en disant « voilà ma réponse, donne-moi déjà une partie du view model et puis moi je remplirai la suite ». Et donc dans cette partie du view model, on aura peut-être le type d'erreur déjà et l'HTTP code par exemple. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Merci pour cette présentation.